la mission de Jésus. Jésus vient pour accomplir la volonté de son Père, établir le royaume de Dieu sur la terre. Pour ce faire, il fallait qu'il soit accepté par le peuple d'Israël, qui avait expressément été préparé dans ce but. Il voulait donc rassembler ce peuple comme une poule ses poussins, ou encore comme le bon berger, ramener au bercail les brebis. Il s'efforçait d'expliquer qu'il venait compléter et accomplir la loi mosaïque, non la détruire. Il exhortait ce peuple à accorder la primauté à la loi de l'amour pour dépasser les rites figés de l'Ancien Testament, pratiquer la charité, la compassion, plutôt que la dureté de cœur. Le pardon, plutôt que la loi du talion. La miséricorde qui découle de la magnanimité d'un Père aimant, plutôt que le jugement qui condamne sans recours et sans appel. Il reprend le discours de Jean-Baptiste en prêchant le repentir pour la rémission des péchés. Que ceux qui sont sans péché jettent la première pierre. Il exhorte la pécheresse qui allait être lapidée. Va et ne pêche plus. Pourquoi Jésus aurait-il demandé cela si ce n'était pas possible? Qu'on le veuille ou non, il avait le pouvoir de remettre les péchés. Témoin cet incident où on lui apporta un paralytique pour être guéri. Réaction immédiate de Jésus, tes péchés te sont remis. Car il pouvait lire les cœurs et a dû saisir ce qui se passait dans le cœur du paralytique. Il lisait aussi le cœur des badauds qui étaient scandalisés par ses prétentions. C'est pourquoi il déclara sans aucune équivoque, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés pendant qu'il est sur la terre, il commanda au paralytique, « Lève-toi, prends ta civière et marche. » À noter l'emphase sur son pouvoir de remettre les péchés pendant qu'il était sur la terre. C'est déclaré clairement qu'il n'était pas nécessaire qu'il fût crucifié pour la rémission des péchés. C'est cela son pouvoir surnaturel, sa maîtrise de la condition humaine. Il faisait des miracles, guérissait les malades. Est-ce là la raison première de son avènement? Jésus n'est pas qu'un simple thaumaturge. Il est clair que les miracles constituaient un moyen, non pas une fin. Souvenons-nous de son premier miracle. Aux noces de Cana, alors que le vin venait à manquer, Jésus fut approché par sa mère. « Ils n'ont plus de vin, dit-elle. » Mais Jésus lui répondit avec une surprenante fermeté, « Femme, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. » Il transforma l'eau en vin, mais on sent sa réserve, voire son ennui. Il voulut quand même expliquer sa démarche quand plus tard, au cours de son ministère, il déclara en parlant des miracles, « Mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres,
afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Le temps passait, mais la résistance à sa prédication ne faisait qu'augmenter. Il invoqua à un moment la parabole de la vigne. Le maître de la vigne, dépité devant l'ingratitude de ses débiteurs, finit par envoyer son propre fils pour réclamer son dû. Il espérait que son fils héritier n'allait pas subir le même sort que les serviteurs envoyés auparavant pour plaider les droits du maître. Ce fils héritier fut tué sans vergogne. La comparaison entre l'avènement des prophètes et celui du Messie est on ne peut plus clair. Le Fils de Dieu n'est pas envoyé pour être honni, bafoué, rejeté, persécuté, crucifié. La crucifixion de Jésus demeure donc la plus grande tragédie de l'histoire humaine. Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël n'a pas pu ou ne peut pas reconnaître et accepter le Messie qui lui était destiné? Ce déni s'articule autour d'une objection majeure qui consiste à dire que Jésus n'a pas accompli les prophéties, surtout celles de Malachie. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vais vous envoyer le prophète Élie. S'il n'a pas accompli les prophéties, il en découle qu'il n'est pas le Messie, encore moins le Fils de Dieu, comme il le prétend. Certainement pas le roi des Juifs. C'est donc un imposteur, un faux prophète, qui remet en cause les assises fondamentales du judaïsme. Confronté à cette objection des scribes, les disciples de Jésus vinrent à lui pour lui demander « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Jésus répondit « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. » Et il ajouta plus loin « Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Pour leur part, afin d'en avoir le cœur net sur l'identité de Jean-Baptiste, les scribes et les pharisiens déléguèrent leurs agents pour demander à Jean qui il était. Jean déclara, et le nia point, qu'il n'était pas le Christ. Et il demanda donc, « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » « Que dis-tu de toi-même ?» Jean répondit, « Je suis une voix qui crie dans le désert. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. » C'est ce qu'a dit le prophète Isaïe. Jean comprenait sa mission de précurseur du Messie, mais ne saisissait pas qu'en se faisant, il cumuler la mission du prophète Élie. Jésus, lui, était formel. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui
Jean, qui est l'Élie qui devait venir. Jean-Baptiste à 7, fils de grand prêtre, jouissait alors d'un plus grand prestige que Jésus. On le crut, lui, mais pas Jésus. C'est ce qui scella le sort de Jésus. Le moment d'ultime vérité est proche. Jean-Baptiste est emprisonné pour avoir critiqué le roi Hérode. Jean, ayant entendu parler de sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas un obstacle. » La bonne nouvelle est celle qui sert à confirmer ce que Jean veut savoir. Jésus est celui qui doit venir et qui est venu. Mais il y a aussi cette mise en garde. La personne de Jésus, en tant que Messie, peut constituer un obstacle à qui n'est pas humble d'esprit. Le doute s'était emparé de Jean. Pour les scribes et les pharisiens, Jésus est un imposteur, un blasphémateur. Il fallait le faire taire, quitte à l'éliminer. La zizanie atteignit même les propres disciples de Jésus. Le moment que Satan attendait est venu. Alors, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était l'un des 12 disciples. Ce qui allait entraîner, comme on le sait, la crucifixion de Jésus, confirmant les prophéties d'Isaïe qui prédisaient la mise à mort du Christ. Mais il y a aussi cette autre prophétie d'Isaïe dont il faut tenir compte. Jésus doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et règnera sur son empire pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu dès à présent et pour toujours. Ce qu'il faut saisir, c'est que le but ultime de la création est prédestiné, déterminé dès le début. Cependant, la réalisation du plan de Dieu, son royaume sur la terre, est un processus qui engage la participation humaine. De même pour les prophéties concernant Jésus. Si Jésus est accepté en tant que Messie, il devient le Seigneur de gloire. Rejeté, il est celui à qui on transperce les mains et les pieds. Mais Jésus avait toujours un choix dans la direction qu'il allait donner à son parcours messianique. Il pressentait qu'il avait atteint un point de non-retour. C'est après sa transfiguration, quand il descendit de la montagne, que sa décision fut prise. Il avait déjà commencé à changer de discours. Ce n'est plus celui de la proximité, de l'imminence du royaume de Dieu.
en changement de discours, mais surtout en changement radical dans son orientation. À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant « Il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des maîtres de la loi. Je serai mis à mort et le troisième jour, je reviendrai à la vie. » Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route quand tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » D'aucuns pensent que c'est ce changement d'orientation dans le parcours de sa mission qui entraîna la trahison de Judas, qui attendait, lui, l'établissement d'un nouvel ordre politique. C'est aussi ce qui entraîna l'éventuel reniement de Saint-Pierre et la débâcle des autres disciples. La décision de Jésus était prise. Il fallait qu'il sauve quelque chose de la mission adamique originelle concernant l'établissement immédiat du royaume de Dieu sur la terre. Jésus choisit de sacrifier sa vie, de verser son sang pour la rémission des péchés de l'humanité, commis avant, pendant et même après sa crucifixion. C'est pourquoi sur la croix, Jésus demanda à son Père de pardonner ceux qui le tuaient, car ils ne savent ce qu'ils font. Dans un dernier sursaut surhumain, le Fils fit un ultime effort pour consoler le Père, pour atténuer son ressentiment. Car la crucifixion de Jésus n'était nullement la volonté expresse de son Père. Saint Paul, ce grand mystique, l'a bien compris, lui, quand il déclara « Aucun des princes de ce monde ne savait ces choses, sinon il n'aurait pas crucifié le prince de gloire. » Ce n'est pas la crucifixion qui est une source de joie pour chanter les louanges du Père. Non, il ne nous faut pas nous féliciter de cet heureux péché qui nous valut un tel sauveur. Sans sa résurrection, Jésus ne serait qu'un individu anonyme, crucifié parmi d'autres crucifiés, renvoyé aux oubliettes de l'histoire. Sa crucifixion devint, il est vrai, un mal nécessaire à cause de la mission, de la démission du peuple choisi. C'est dans ce contexte qu'il faut saisir toute la grandeur de cette décision héroïque de monter résolument à Golgotha. Car l'agonie du Christ ne se situe pas seulement sur la croix. Que percevons-nous de ce qui se passait au jardin de Gethsémani? Pourquoi ce « Père, si tu le veux, éloigne de moi ce calice. » Prier jusqu'à verser des larmes de sang, seul, dans la solitude la plus nue, car ses disciples dormaient et ne pouvaient veiller une simple petite heure avec lui. Le vrai calvaire de Jésus, ce n'est pas l'abandon de ses disciples, ce n'est pas la solitude humaine. Sa vraie agonie, c'est ce sentiment intolérable d'être abandonné par le Père. Ce « Élie, Élie, lama sabachthani » qu'il prononça sur la croix juste avant d'expirer, le Christ aurait pu le prononcer à Gethsémani, car déjà il était descendu en enfer, cet enfer qui est privation de la présence divine, subi avant même sa crucifixion. C'est une angoisse existentielle, un vide métaphysique,
synonyme d'une réduction au néant, au non-être, car sans le Père, le Fils n'est rien. Quel Père aimant peut rester indifférent à la déréliction de son Fils bien-aimé? Mais alors, le Père a-t-il vraiment abandonné le Fils lors de son agonie? Oui et non. Le Père subissait lui aussi une autre agonie, indicible, ignorée, celle-là, aussi grande que celle de son Fils. Le Père, jamais impassible, devint ainsi en Dieu souffrant comme il n'a jamais été auparavant. La douleur lors de la chute d'Adam est multipliée par la crucifixion du second Adam. Que peut répondre le Père à l'appel désespéré du Fils agonisant, sinon par le silence d'un cœur brisé? Le Père laissa son Fils qui descendit en enfer pour continuer sa mission et prêcher aux endormis, dit-on. Alors, après quoi il fut ressuscité pour retrouver au ciel sa place privilégiée auprès de son Père. Il revint en esprit cependant, infatigable, et pendant 40 jours, avec le Saint-Esprit, il consolida sa mission de sauveur, revigora ses disciples abattus, les envoya de par le monde prêcher la bonne nouvelle. Il avait établi auparavant le sacrement de l'Eucharistie pour accorder à tout un chacun la possibilité de participer à sa nature divine et se maintenir en état de grâce. Tel est le vrai fondement du christianisme. Mais Jésus avait-il accompli la mission adamique originelle pour laquelle il avait été envoyé? Il le fit comprendre lui-même en déclarant qu'il a encore beaucoup de choses à dire et qu'il fallait que le Fils de l'homme revienne.